m'appelle Dr Mabouba Diagne. Je suis présentement le vice-président finance de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. Je suis sénégalais, originaire de la banlieue dakaroise. J'ai grandi entre Pikine et Yumbel. J'ai fait mes études au lycée Limam Oulay, série C, lauréat au concours général. Je fais partie de la première promotion de l'Université de Saint-Louis, de 90 à 95. J'ai eu une maîtrise et un DEA de mathématiques appliquées et informatiques, avec la mention bien, et j'ai eu la chance d'obtenir une bourse des Nations Unies. Je suis allé à l'École internationale de physique théorique à Trieste, en Italie. Après l'obtention de ce diplôme, j'ai eu la chance d'avoir une bourse de la communauté européenne pour aller en Allemagne pour faire un master de finance et un doctorat de mathématiques financières. L'heure est à ce qu'on appelle l'agriculture de précision. La culture sur serre nous permet de cultiver à n'importe quel moment et dans n'importe quelle condition. Ça nous déshonore de dire que le Sénégal importe 347 000 tonnes de fruits et légumes pour un montant de 66 milliards. Ici, nous prouvons que les compétences existent au Sénégal, la jeunesse est capable, la jeunesse est bien formée, il suffit juste de les accompagner. Nous avons ici des poivrons qui sont cultivés dans des conditions qui n'ont rien à envier à l'Espagne. Comme vous le savez, l'Espagne nourrit l'Europe en termes de légumes. Le Sénégal pourrait nourrir l'Afrique de l'Ouest. Ça doit être notre slogan. Aujourd'hui, ce sont des banquiers comme moi qui ont fait 30 ans à l'étranger, qui sont revenus, qui ont investi le fruit de toute une vie de travail dans des infrastructures agricoles modernes, dans l'espoir de nourrir le pays, dans l'espoir de créer des centaines de milliers d'emplois. Regardez toute la technologie moderne que l'on utilise dans ces serres. Avec l'avènement du gaz et du pétrole, le niveau de vie des Sénégalais va s'élever. Nous invitons les Sénégalais, nous invitons les pouvoirs publics, nous invitons la diaspora à venir investir au Sénégal dans l'agro-industrie. Ces trois dernières années, j'ai montré que c'est possible. On a investi dans des serres comme ça, on a investi dans des fermes agricoles industrielles modernes, on a investi dans un abattoir moderne qui fait 20 000 poulets jour, nous produisons plus de 3 millions de poulets l'année, on a un parc industriel bovin qui fait plus de 3 600 taurillons, et vous avez vu cet environnement avec la culture sous serre. Importer plus de 340 000 tonnes de légumes, dépenser plus de 66 milliards en fruits et légumes, ça peut être évité en le produisant localement. Je recommande vivement aux nouvelles autorités d'utiliser l'agro-industrie dans toute chaîne de valeur, mais aussi en innovant comment financer ces structures agricoles, développer des périmètres privés, booster l'investissement dans l'agro-industrie, c'est ce qui va changer. Non seulement nous avons les capacités techniques, financières et managériales de le faire, mais on l'a déjà fait. Il est allé aux États-Unis, il a fait toutes ses études supérieures jusqu'à devenir ingénieur en électricité et qui a travaillé aux États-Unis et qui a tout laissé qui est revenu. Au début, il était mon fournisseur de poussins. Pour vous dire que les Sénégalais doivent apprendre à se faire confiance. Je lui ai donné 100 millions de francs CFA, on ne s'est jamais vu. J'étais à Maurice, il était au Sénégal, on a travaillé pendant 2 ans. Il a fait les choses comme il se devait. La confiance, au-delà du travail, on a des relations de fraternité. Moi, c'est Cyril Niamar, co-investisseur de Dr Mabou sur l'abattoir. Donc, Gardigui Abattoir, c'est un abattoir de 20 000 poulets jour. Et c'est un abattoir qui va démarrer peut-être dans 15 jours. Donc là, on est dans la salle d'abattage. C'est là où on réceptionne les poulets vivants. C'est à partir de là qu'on abat les poulets pour les amener vers l'autre salle, qui est la salle d'éviscération. Alors, on va vers la salle d'éviscération. Et à partir de cette salle, c'est là où on vide tout ce qui est intestin et pâte. L'idée, c'est de créer un écosystème, là où on donne l'éleveur, que ce soit un petit ou un grand éleveur, les poussins, éventuellement l'aliment, et après récupérer ce poulet qu'on peut abattre à façon ou émettre la marque de l'éleveur ou mettre notre propre marque. C'est-à-dire qu'on crée un écosystème là où tout se fait entre nous pour s'entraider, mais proposer des poulets plus compétitifs dans le marché sénégalais. Après l'obtention de mon doctorat, j'ai travaillé 6 ans dans la deuxième plus grande banque en Allemagne qui s'appelait Dresdner Bank. Je suis allé à Londres pour travailler chez Crédit Suisse, la deuxième plus grande banque en Suisse.
J'ai fait là-bas 6 ans et demi jusqu'à ce que je devienne directeur régional. Comme j'avais un désir ardent de revenir sur l'Afrique et de participer au développement de mon pays et de notre continent, j'ai eu la chance d'avoir un poste de directeur régional avec Barclays Bank, basé en Afrique du Sud à Saint-Anne, qui est aussi la capitale financière de l'Afrique du Sud. J'ai fait là-bas 6 ans et demi, je gérais 6 pays et à la suite, je suis allé à la Trade and Development Bank pour être le directeur régional. Là-bas, je gérais 9 pays. Pour produire les 62 millions de poulets, le poulet bounek doit consommer 4 kilos. 4 kilos d'aliments, 70% et 80% de maïs. Le mbok mi dañ ko wara bay. Le Sénégal doit importer 450 000 tonnes de maïs. Le Sénégal doit importer 1,5 million de tonnes de riz. Donc, si chaîne de valeur bobu ci la état bi wara soukandiku def des aménagements agricoles ni ngour di tabaxé teli di tabax estate di tabax ay building administratif non la wara tabaxé des infrastructures agricoles employé yi ma fi recruté université la len jëlé ko suñu liggéey fenn biñu commencé ouvrier lañ commencé fi di jappalé maçon yi ñuy tabax di jappalé industriel yi ñuy indi fi pour nous monter le bâtiment. Diao, c'est lui le chef de ferme. Depuis quand tu as été recruté? Fin 2020, début 2021. Aujourd'hui, tu cherches un chiffre d'affaires de combien? Bon, au total, c'est environ 2 milliards et quelques. Et vous avez combien d'employés qui sont sous ta supervision? Dans cette ferme, j'ai 17 et l'autre ferme, j'en ai 14. Pour vous montrer que c'est possible de faire confiance à l'expertise sénégalaise. J'étais d'abord au Maroc, au salon d'Azavine, c'est le salon international de l'aviculture, avec nos partenaires français NTD France, que je salue d'abord au passage, le professeur Gabriel. En septembre 2022, j'étais également allé au salon Espace, et c'est le plus grand salon international où on a visité pas mal de choses dans le domaine de l'aviculture. Aussitôt, j'ai échelonné en gérant 2 bâtiments. De 30 000. Début 2022, on a commencé la construction de la deuxième ferme ici. On m'a affecté ici comme responsable technique de la deuxième ferme, où j'ai formé 4 techniciens supérieurs que j'ai recrutés moi-même et que j'ai formés qui venaient directement de l'université sans autant travailler quelque part d'autre. Et actuellement, je suis le responsable technique de la division prix de chair chez Gadeg. Cette ferme est la plus grande ferme industrielle du Sénégal. C'est 6 bâtiments de 35 000 poulets. Voici les 3 premiers bâtiments. On a conçu un concept de ferme intégrée. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons acheté le terrain, nous avons fait tous les aménagements, le CNU civil, et nous avons invité des co-investisseurs sénégalais. Chaque bâtiment que vous voyez ici sur les 6 bâtiments est une SARL où l'investisseur détient 60% et nous détenons 40%. Nous négocions avec les fournisseurs internationaux NTD France, Big Deutschmann, Allemagne, Soprada France pour venir installer les équipements. Comme vous le voyez ici, cette semaine nous allons recevoir 8 containers de 40 pieds pour faire les équipements, les pad cooling, les ventilos, les mangeoires, les abreuvoirs, les pipettes, le silo, etc. Qui est-ce que je vais vous dire que je vais vous dire? Parce que aujourd'hui, tout ce que vous avez fait au Sénégal, c'est mon investissement dans l'agro-industrie qui m'a mis le doré. Si vous avez dit, ce que nous avons dit aujourd'hui, c'est que vous avez dit. Ba yalla def ñu def ben ferme bo xane moy ferme 6 bâtiments bo xane dañu intégrer 6 bâtiments yu 35 000 poulets la pondeuse yi dafa wara nek 4 bâtiments de 80 000 poulets pondeuse mu nek 320 000 pondeuse waaw 320 000 pondeuse wow. Soko xayma 9600 tablettes nen la par jour imaginez nga jël 500 jigen nañ wax 10 000 tablettes wow. 500 jigen bu nek nga jox ko 200 tablettes da ngay créer légui 500 emplois waay té bokul ak ñi nga xamné ñi ñoy liggéey ci ferme bi donc ferme pondeuse bobu dina employer lu mu dédé ben 550 personnes tacite bi aussi ci la ferme repro bi nek sur la ferme repro dañ fa nara def 5 hectares serre 35 hectares culture maïs ensilage sergo pour yar fa nagui plus la poussinière et les 4 et les 8 bâtiments de repro dafa nara produire 14 millions d'œufs à couver sur les 50 millions d'œufs à couver que le Sénégal importe. Avec
avec notre collaborateur et jeune frère, M. Babacar, un ingénieur agronome formé au Canada, qui a tout planqué au Canada, qui est revenu au Sénégal, qui fait exactement et même mieux que ce que font les Européens. C'était en 2019, donc j'ai commencé sur 1,2 hectare. J'ai mis de l'arachide. 17 hectares d'arachide. Je m'en suis sorti, ne serait-ce que seulement pour les sacs de foin, presque 6700 sacs de foin. Je les ai vendus à la SICAP. Comme je suis un enfant de la SICAP, ça m'a rapporté presque une 37 millions. J'ai pris cet argent, j'ai encore fait des serres. C'est à ce moment que j'ai commencé par 1 hectare de serres. 4 serres de 2500 m2 compartimentées en 2500 m2. J'ai continué encore sur le piment. 2 tonnes à l'hectare par semaine. Mais nous, on fait de la contre-saison. Donc nous, l'idée, c'est de produire là où il n'y en a pas sur le marché. Et pour le faire, il faudra commencer à repiquer à partir du mois de mars. Et à ce moment-là, les prix ne peuvent pas descendre en deçà de 2000 francs, 2500 francs sur le marché local. Et je parle de prix bord champ. Vous ne quittez pas votre champ. Et ce qui est intéressant dans cette histoire de piment, c'est qu'il n'y a rien qui se jette. Parlez-moi de la création d'emplois. J'ai juste l'exemple d'hier. Nous étions à 150 dames. 150 dames. À hauteur de 3500 par jour. 3500 par jour. Disons au bas mot, comme on va récolter pendant 7 semaines, 7 mois, 8 mois, et pendant les autres mois, on va faire du repiquage, on va faire des autres travaux. Donc on peut dire que c'est quasiment c'est comme si on employait 150 dames full time. Maintenant, au-delà de la récolte, il y a aussi les périodes de semis, les périodes de repiquage, si je exactement comprends très bien, qu'on utilise encore. Oui. Cela montre qu'aujourd'hui, l'agro-industrie, dans toute sa chaîne de valeur, est seulement créateur d'emplois. Après 25 ans, 27 ans à l'étranger, il y a ce désir ardent de revenir faire quelque chose dans notre pays. Je suis la seule personne qui a fait des études relativement poussées dans notre famille. Et comme je suis l'aîné garçon, je devais tirer toute la famille. Et il y a de cela 20 ans, j'ai demandé à toute ma famille pour faire de l'immigration en Italie, comme des ouvriers ou des ouvrières. Je m'étais lancé le défi de les faire revenir et aussi de me lancer le défi dans mes parents au village de créer une communauté zéro chômeur. Soxna bi nga ñibisé ba légui ñu jox le département ou boucherie bi lan ban expérience nga ci am ak ban message ngay lancer aux autorités et à la population sénégalaise man nga wax bam ci wolof na mom bi mu indé ba légui ku ci nekk ci ñun daf la jox ben société bo xamni da ngay jité ay nit ñu bari lolo tax fim ni ñun ñepp ñibisi nañ famille bi yépp ñibisi nañ ñaata ngeen won ñun on est plus de 15 personnes en Europe à gérer supermarché bi. Sama frère ñi ñi ci ferme yi ñi ñi ci nak yi ñi ñi ci café Touba bi ñi ci tigadegé gis na né hôtel Radisson ak Alchimia ak hôtel Baobab yépp yow ya leen yow yépp man ma leen géré okay. Ma leen di fournir ginar yap yap xar yap nak lepp man ma leen té lepp yow ya koy bay lepp man ma koy bay merci beaucoup. Le challenge c'était quoi? Ces gens là n'avaient pas de diplôme, n'avaient pas aucune formation professionnelle. Et j'ai vu que la chaîne de valeur de l'agro-industrie me permettait de réaliser ce rêve-là. Et j'ai eu la chance de tomber sur une compatriote sénégalaise que j'ai rencontrée en Afrique australe, Madame Adam Sène Cissé, avec qui nous avons créé Garde Guy. L'ambition que nous avons en tant que Garde Guy, c'est en fait d'être une des marques leaders dans le secteur agroalimentaire au Sénégal et en Afrique. Maintenant, l'idée ce n'est pas d'être numéro un, mais c'est surtout d'offrir les meilleurs produits aux populations. La finalité de tout ça, c'est quoi? C'est de créer des emplois. C'est de participer à l'économie du pays. Aujourd'hui, quand je prends les emplois directs et indirects et les emplois saisonniers, nous sommes à 220 emplois, dont 125 sont des emplois saisonniers occupés par des femmes avec lesquelles nous travaillons, par exemple, pendant la campagne arachidière. Encore une fois de plus, un message aux autorités. Nous sommes une jeunesse, nous avons fréquenté les meilleures universités du monde, on est venu, on a investi de l'argent, on a les compétences, accompagnez-nous et nous allons vous créer ces millions d'emplois. Et cher gouvernement, je me lance un défi maintenant, je prends ma casque de développement. Je peux aller vous lever de l'argent. Je peux aller lever plus de 500 millions d'euros. Je peux aller lever plus de 1 milliard d'euros pour aller accompagner le nouveau gouvernement dans l'investissement de l'agro-industrie. On a des partenaires techniques et financiers pour le faire. Nous sommes un groupe de jeunes dans l'agro-industrie, dans le piment, dans la volaille, dans l'embauche bovine, dans les tomates, dans les pommes de terre. Et nous avons envie de le faire.
Son Excellence, Monsieur le Président Diomaye, Son Excellence Sonko et tout le leadership du nouveau régime. D'abord, félicitations. Nous vous invitons à prendre les bonnes personnes, les bonnes ressources, les orienter dans l'agro-industrie, dans toutes ces chaînes de valeur, et nous sommes prêts à vous accompagner. Nous l'avons fait sur le plan personnel. Nous avons investi plus de 3 milliards de francs CFA de nos propres ressources ces 4 dernières années. Venez voir ce que nous faisons. Liñu nane wedd gis bokku ci.